Merci les enfants. Ouais, moi je vais rester passer sur le micro. Bon, alors, frustration de la série actuelle, c'est que le texte du jour s'est inversé. Ça allait dur cette série pour les enfants qui aiment bien lire. Hein. Bon, je vous rassure, il y aura un peu d'autres textes à lire après. Qui a envie de lire le verset ? Tous en même temps. Bah viens, allez, Maud, viens. Je vous promets, il y aura un petit peu autre chose après. Voilà, le verset du jour, la suite des béatitudes. C'est là ou là, comme tu veux. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Merci. Voilà. Alors voilà pourquoi on a parlé, pourquoi Alice vous a parlé de la faim. C'est que c'est un verset qui nous parle de la faim et d'être rassasié. C'est un verset qui, si on l'écoute dans une perspective pas chrétienne, avec un peu le sens du monde, peut un peu surprendre. Il y a pas mal de gens qui se retrouvent dans la faim et la soif de la justice dans notre société, dans notre monde. Et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui se sentent rassasiés parmi ces gens-là. D'ailleurs, de manière générale, hein, si on prend les premières moitiés des béatitudes, tous les heureux, ceux qui, etc., il y en a pas mal qui passent bien. Heureux ceux qui sont doux, on a eu. Heureux ceux qui sont remplis de bonté, on va avoir. Heureux ceux qui, les artisans de paix. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ça passe plutôt bien. Ça serait bien, vous savez, sur les petits calendriers, 365 paroles de sagesse, une pour chaque jour. Tout ça, ça passe bien. Mais si on reste juste dans la perspective de notre monde et de notre société sans Dieu, à un moment donné, ça va coincer. Parce que y a plein de gens qui ont faim et soif de justice, mais ils restent sur leur faim pour plusieurs raisons. On peut voir en tout cas à travers plein d'exemples. Il y a des combats qui sont menés pour essayer de faire avancer des choses, mais qui finissent jamais. Je pensais par exemple au Resto du Cœur, quand Coluche les a créés, il a dit... Dans sa tête, c'était pas censé durer. C'était une idée comme ça pour faire du bien aux gens. Il pensait pas que ça allait durer. Alors, il est mort assez vite après. Mais on est bientôt 40 ans après. Et ça existe toujours. Et il y a de plus en plus de gens qui vont au Resto du Cœur chaque année, malheureusement. Donc on voit qu'il y a des choses qui sont faites, des choses qui sont sûrement bonnes. Mais à la fin, qu'est-ce qui rassasie ? Ça va se heurter à un mur à la fin. Parce que d'une part, eh bien, il y a des puissances adverses dans notre monde qui vont s'opposer à tous ces efforts-là. Il y a des idoles très fortes, il y a des puissances très fortes, de puissances de volonté de pouvoir, de volonté d'argent, d'égoïsme. Et il y a plein de gens qui ont faim et soif de mauvaise nourriture, de la nourriture qui ne fait pas du bien. Il y a aussi le fait que, qu'est-ce que c'est la justice dans le sens du monde ? Tout le monde ne va pas être d'accord là-dessus. Tout le monde ne va pas avoir envie de mener les mêmes combats. Si on reste sur l'idée de la justice sociale, il y a des gens qui disent ça serait vachement bien de faire un revenu universel où tout le monde a quelque chose, etc. Puis il y a plein de gens qui vont dire non, ça ne serait pas juste du tout. Alors, il y a des gens, ils ne vont pas travailler, ils ont un revenu quand même, etc. Les gens, si vous lancez le sujet, vous allez avoir des débats très intenses. Voir les gens, ils vont se fâcher entre eux. Ok. Donc ça veut dire faim et soif de la justice, mais comment, quoi, tout le monde ne va pas être d'accord. Et puis parfois, il y a des gens qui ont faim et soif de justice comme ça, qui vont se battre pour que ça soit plus juste peut-être, mais qui n'ont pas forcément les bons moteurs et ça ne va pas forcément bien tourner. Il y a des combats pour la justice très intenses à la maison. Il y a par exemple le plat de gnocchi, c'est un must du dîner. Alors vous allez vous dire qu'on est des piètres cuisiniers, on mange autre chose, je vous rassure. Ok, on va arriver, et un truc très important, ça va être Non, l'autre jour, on a compté les pommes noisettes qu'on a distribuées, c'était hier soir, je ne sais plus. Voilà. Donc on a compté, il fallait que chaque enfant ait le même nombre. Ok. On va dire, c'est beau, ils ont faim et soif de justice, nos enfants. En fait, je ne pense pas que le moteur soit le bon derrière. Je pense que non, en fait. Et derrière tout ça, en fait, finalement, je crois que ce n'est pas le nombre de pommes noisettes qui est important, c'est leur place à la maison qui est derrière. L'enjeu, c'est d'avoir tous leur place, d'être tous aimés et considérés à égalité. Et d'ailleurs, ils ont tous eu le même nombre, alors qu'ils n'ont pas le même besoin physiologique. Donc attention aussi aux moteurs qui ne sont pas les bons. Donc on voit qu'il y a plein d'écueils qui font que si on se place dans une perspective
sans Dieu, on ne va pas être rassasié, on va arriver à des impasses assez vite et la justice ne pourra pas advenir. Alors du coup, comment on s'en sort? Comment on va pouvoir être rassasié? Alors je vous propose d'aller voir d'autres passages qui vont pouvoir intervenir. J'ai cherché en fait, où est-ce qu'on nous parle de faim dans la Bible? Il n'y a pas tant de passages que ça où on nous parle de la faim. La soif un peu plus, la faim il n'y en a pas beaucoup. Alors s'il y a des passages où il y a le mot faim, mais de manière très technique, je dirais, voilà, il y a des gens, ils ont faim, mais c'est vraiment juste à dire comme bon, ils avaient faim, voilà, et ça rentre dans le cadre d'une histoire. Mais sous un sens plus profond, plus voilà, et plus aussi symbolique, il n'y a pas tellement de passages où on nous parle de la faim et de la fin de la faim. Désolée pour le jeu de mots. Voilà. Alors je vais vous proposer d'aller dans l'Apocalypse. Et dans ces passages où on nous parle des promesses du royaume à venir, du royaume parfait, du royaume de Dieu, de l'avenue du royaume de Dieu. Alors on va aller dans Apocalypse 7, et là il y a quelques versets à lire s'il y en a qui ont faim et soif de lecture ce matin. je crois qu'il y en a 3 ou 4, voilà, approchez-vous. Allez-y. L'un des anciens prit la parole et me dit : ceux qui sont habillés d'une robe blanche, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ? Je lui répondis : mon Seigneur, tu le sais. Il me dit alors : ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leur robe. Ils l'ont blanchi dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône les abritera sous sa tente. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ne les frappera plus, ils n'y ont aucune chaleur brûlante. En effet, l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Merci. Mais non, mais il n'y a plus. Merci. Voilà un autre passage assez éloigné en apparence qui nous parle du moment où on n'aura plus faim et plus soif. Et donc ça se place dans le cadre du royaume de Dieu, là qui est promis à ceux qui auront traversé la grande tribulation, à ceux qui en fait seront sauvés, ceux qui seront sauvés par Dieu et qui accéderont à la vie éternelle dans cette vie parfaite pour l'éternité. Et là on n'aura plus faim et plus soif. Et en fait si vous remarquez, il y a d'autres promesses, des béatitudes qu'on retrouve dans ces versets, la promesse de la consolation. On a vu il y a 2 semaines, si je me souviens bien, heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés. Là, Dieu essuiera toutes les larmes. Il y a aussi la promesse aussi de voir Dieu face à face, qui va être dans les semaines à venir, hein, les prochaines béatitudes. On retrouve une grande partie en fait des promesses des béatitudes dans ce passage de l'Apocalypse. Donc ça nous dit que ces textes, ces béatitudes, elles sont aussi à lire dans la promesse du royaume, en fait. Elle nous annonce ce à quoi on est appelé en étant sauvé par Dieu et en étant, là le texte le dit de manière imagée, lavé dans le sang de l'agneau, c'est-à-dire sauvé grâce au sacrifice de Jésus, à sa mort, à sa résurrection, en se mettant en fait voilà, au bénéfice de ce sacrifice qui nous délivre du mal. Je vous propose du coup un autre verset. Il y a un dernier verset à lire, sinon c'est moi qui le lis, comme vous voulez. Il y en a qui n'ont pas lu, qui voudraient. Non, tout le monde. Hein. Bon, bah, viens Léa, si tu veux. C'est l'autre verset qui nous parle de la fin, de la fin qui est apaisée définitivement. C'est dans Jean, au chapitre 6. Jésus leur dit : c'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vit en moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Merci. Donc voilà, le pain qui fait qu'on n'aura jamais faim. Donc le bon petit déjeuner, la bonne nourriture,
le bon petit plat qui rassasie bien, sa petite viande avec son jus, la bonne petite purée maison, les légumes. On n'oublie pas les légumes. C'est Jésus. C'est Jésus, ce bon petit plat qui va vraiment nous rassasier de la bonne façon. C'est Jésus, donc, ce qui était déjà annoncé dans le texte précédent, qui est mort pour nous sur la croix, qui est ressuscité, et donc qui a brisé tout ce qui pourrait nous empêcher d'être rassasiés et de vivre la justice. La justice, finalement, ça va être quoi ? Ça va être la relation juste. Ça ne va pas être tel ou tel sens du monde sur lequel on ne sera pas d'accord. La justice telle que nous le propose la Bible, telle que nous le propose Dieu, c'est la relation juste avec Dieu et du coup la relation juste aussi entre les hommes et les femmes. Cette relation vraiment juste en profondeur et à laquelle on peut accéder grâce à Dieu qui nous délivre et qui nous sauve. Et aussi qui nous délivre et qui nous sauve par son amour. On parlait aussi des enfants qui, derrière leur soif d'avoir le même nombre de pommes noisettes, ont besoin d'être aimés, considérés pleinement. Ça va marcher parce qu'on va pouvoir vivre pleinement dans l'amour de Dieu qui nous comble et aussi qui nous transforme et qui nous permet aussi de prendre soin parfaitement ensuite, nous les uns des autres. Alors du coup, là j'ai pas mal parlé de la deuxième partie de la béatitude. Je pense que être rassasié, qu'est-ce qui rassasie ? Donc les choses, on n'est pas rassasié au sens du monde, on est rassasié dans la perspective du royaume de Dieu grâce au sacrifice de Jésus. Mais du coup, il reste la faim, il faut avoir faim pour être rassasié. Et la faim, c'est une image d'un moteur puissant. C'est quelque chose qui met profondément les gens en mouvement. Quand on a faim, on se bouge, on a pour avoir à manger. Ça nous met en mouvement d'avoir faim. On ne reste pas avec sa faim, ce n'est pas supportable. Du coup, ça veut quand même dire qu'il ne suffit pas de se dire « Ok, il y a le royaume, un jour c'est chouette, etc. » On sera rassasié. Ça nous invite quand même aussi à agir maintenant. Et c'est intéressant aussi du coup de voir le verset sur lequel on réfléchit aujourd'hui dans les Béatitudes. Il y a pas mal de traductions différentes selon la traduction de la Bible que vous prenez. Donc là, on a lu tout à l'heure, peut-être sous la version sous laquelle il est le plus connu, « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice ». Mais si vous prenez une autre traduction, je ne sais plus par cœur laquelle d'ailleurs, c'est « Heureux ceux qui ont faim et soif d'un monde juste ». Donc ça veut dire que l'appel quand même, il est un appel à œuvrer pour un monde juste, et dès maintenant. Et le royaume de Dieu et la perfection n'est pas juste pour l'éternité à venir. On est appelé à commencer à faire grandir le royaume de Dieu dès maintenant sur terre, à ne pas se contenter de ce qu'on a. Et a priori, on a faim de justice. D'ailleurs, tous les êtres humains ont quand même cette faim en eux. Et il est bon de la laisser, de ne pas se contenter de ce qui se passe aujourd'hui. Mais à œuvrer dans le monde avec le discernement, en fait, en exerçant la volonté de Dieu, le plan de Dieu et avec la puissance de Dieu. Et là, il y a des choses très grandes qui peuvent advenir. J'ai un exemple qui m'est venu en tête en préparant la prédication de ce matin. Il y a quelques mois, on a vu un spectacle avec mon mari et mon fils aîné qui parlait en fait de l'Afrique du Sud. On n'entend pas très bien, c'est ça ? Ah d'accord. Et qui parlait en fait de toute l'histoire de la commission Vérité et Réconciliation qui s'est montée à la fin de l'apartheid en Afrique du Sud et qui était notamment sous l'impulsion d'un homme d'église, de l'évêque Desmond Tutu, qui était donc évêque anglican en Afrique du Sud et qui a en fait été vraiment le leader et l'inspirateur et celui qui a porté ce projet de commission Vérité et Réconciliation. Ce qui s'est passé, c'est que tous les gens étaient appelés à venir témoigner, à venir dire ce qu'ils avaient vécu au temps de l'apartheid, à venir dire toute la violence qu'ils ont subie, toute l'injustice qu'ils ont subie, très concrètement. C'était aussi ouvert d'ailleurs à ceux qui avaient subi la violence éventuelle de ceux qui avaient lutté contre l'apartheid, mais de manière violente, et à ouvrir tout ça pour conduire finalement au pardon et à la réconciliation.
Et le fait est que l'Afrique du Sud n'est pas encore un pays parfaitement paisible et tout n'est pas parfait, mais c'est, on a évité dans ce pays, cette œuvre-là a évité probablement des bains de sang, des vengeances, ça aurait pu sombrer dans la guerre, la vengeance et le chaos. Et pour moi, c'est un exemple de justice inspirée par Dieu, parce que ça a été mené par un homme de Dieu. Et ce qui était frappant, nous, quand on a vu le spectacle, ça reprenait en fait des vraies choses qui ont été dites, c'était fait à partir de vrais comptes rendus de tout ce qui s'est dit jour par jour dans cette commission. Et il y avait des moments, et on se l'est dit après le spectacle, où ce spectacle n'avait pas été fait du tout par des gens chrétiens, je pense, mais qui ont repris les vrais textes, les vrais faits, etc. Et où ce que disait Desmond Tutu, ou la façon dont il intervenait, ou ce qu'il disait, pour nous, c'était évident de se dire, là, c'est l'Esprit Saint qui a mis ça dans sa bouche. Parfois, il y avait des moments où il disait, je dis ça, mais je sais pas d'où ça me vient. Mais c'est ça qu'il faut faire, c'est ça que je dis, c'est ça qu'il faut faire. Et c'était tellement évident qu'en fait, il œuvrait sous l'action de l'Esprit Saint. Et pour cette œuvre de justice qui n'est pas juste une justice facile ou qui mène pas très loin, mais qui a vraiment œuvré profondément pour la vraie justice de Dieu, je pense, à l'œuvre dans ce pays. Donc voilà, mais se battre pour un monde juste pour la justice, mais équipé par Dieu, animé de son Esprit Saint et avec sa puissance. Après, il n'y a pas que les grandes œuvres du monde, etc. Il y a aussi nous, être juste nous-mêmes. Une autre traduction du verset, qui est dans la Bible en français courant, c'est « Heureux ceux qui ont faim et soif de faire ce que leur commande Dieu ». C'est différent encore comme traduction. C'est-à-dire qu'encore une facette de ce verset, faim et soif de la justice, c'est aussi nous faire ce qui est juste selon Dieu. Être habité par ça. Et c'est vrai qu'on peut déjà commencer par nous-mêmes et par autour de nous. Et c'est là où je vais vous inviter en fait à prendre un petit instant. On va essayer, tant pis s'il y a un petit peu de bruit, ça n'empêche pas de se concentrer, je pense. À essayer de réfléchir ce matin à une chose dans notre vie qu'on aimerait voir changer pour avoir une relation plus juste avec Dieu et ou une relation plus juste avec les autres pour faire grandir la justice en nous, par nous, à travers nous. Essayez de réfléchir chacun à une chose pour nous et on va demander à Dieu, chacun, prier silencieusement, de changer cette chose en nous. Et on pourra aussi y penser tout particulièrement en prenant la Sainte Cène tout à l'heure. La Sainte Cène, c'est le pain vivant. C'est Jésus sacrifié, mort, ressuscité qui nous libère. C'est le pain vivant avec lequel on n'aura plus jamais faim, que ce pain vivant, tout à l'heure, permette la réalisation de cette prière, nous transformer pour être plus juste. Je vous propose de prendre ce temps, et les enfants aussi, je vous invite, vous n'avez peut-être pas suivi avant, j'invite chacun à prendre un temps. Réfléchissez à une chose en vous, une chose en vous que vous voudriez voir changer pour être plus juste dans votre relation avec Dieu, avec les autres. Et on va prier, demander à Dieu qu'il change ça en vous, il peut le faire. Rien.